Voilà, pour le second test, on va tester avec la caméra Panasonic, l'autre, l'ancien. Ça, c'est un problème, et bon, c'est sûr qu'on n'a pas de problème. Si elle tombe, ça sera fini. Ah, on va tester ça comme ça. Matérialiste, il me faut tout et sans manquer de rien. Le jour que je crèverai, enterrez-moi avec ma zig. Je suis pas un gosse de riche, j'ai juste appelé mon gars. Parti de zéro, on me retrouve dans le cinéma. J'ai pris une feuille blanche pour la dévierger. Vas-y, donne-moi le nom, je prends ma place. Ce qui est bien, on la voit dans le rétroviseur. Bon, on va faire un test comme ça. Hop, ça va être génial. Hop, c'est parti. Attends qu'ils passent les deux là. Alors par contre, bon, j'ai mon rétroviseur, on va passer par là. J'avais exprès de passer par là, vu que j'ai des secousses. Tester ça comme ça, je vais éteindre ma caméra. Je vous dis pas que je flippe quand même. Ok, c'est bien. Hop. Alors là, je vois que la caméra elle est toujours rouge. Merde. Hop, la caméra est toujours en rouge. Hop. On va faire un tour vers la Nationale 3 par là, par la ville. Après peut-être je prendrai l'autoroute. Alors je vous dis pas, j'ai vraiment un œil braqué sur la caméra extérieure. Ça fait flipper ce que je suis en train de foutre là.
Vas-y, vas-y. Hop, voilà. Un clap pour le test 2, hein. Ça va, ma caméra est toujours rouge, ça veut dire j'enregistre. Non, rien, ça c'est vrai que ça fait flipper là. Voilà, c'est des images exclusives hein, que je suis en train de faire. Vous savez quoi, on va passer par. Putain, je sais pas, c'est le bordel. On va repasser par là et prendre la National Tron. Alors le truc, ça a l'air de bien tenir avec toutes les secousses que je suis en train de faire là. J'ai fait exprès. Quand on sait qu'à Livry-Gargan, les routes, elles sont pas nickel quoi. Clap 2, hein. Hop. De la vitesse, hop, on va prendre un bon coup. Alors ce que je vais faire, je vais prendre la National 3 de là pour sortir à vous jour. Alors je dis bien, j'ai fait exprès de ne pas mettre de musique dans ma voiture.
pour les droits d'auteur, comme ça si j'ai envie de mettre de la musique, je mettrai la musique moi-même. Hop. Alors là, on va faire le truc le plus périlleux. On va prendre la Nationale 3 en passant par la rue qui monte là. On va sortir à vos jours. Même à Villeparisis, si on échoue. Hein. Autant. Secousse là, vous avez vu. Parce que j'aime bien les gens dans la voiture de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est pas une voiture de Google hein. Après le rond-point, je prendrai mon Panasonic Bridge pour filmer. Hop, comme ça on va prendre de la vitesse, on va voir ce que ça donne en latéral.
km/h. Pour pas que ça fasse le bordel. On a fait une bonne portion de la Nationale 3 jusqu'à la sortie de Villeparisis. Et maintenant, on va prendre les routes par l'extérieur. Franchement, j'aurais voulu que l'image soit en 4K. Mais j'ai pas envie de risquer ma vie du caméscope, du Panasonic Bridge. Et là maintenant on va retourner au domicile. On aura fini le test. Enfin on aura fini le test quand on aura coupé le moteur du véhicule. Après le route à droite, hop, ça c'est bon, c'est fait, voilà. Ce qui est bien, j'arrive à voir le voyant rouge, c'est-à-dire le voyant rouge, il est toujours en recording. J'ai oublié que c'est les priorités à droite ici. Hein.
hop, on va prendre des pitades Coca-Cola, hop. Heureusement que j'ai pris l'autre batterie, là au moins j'aurais bien filmé le tour. Je trouve le test assez concluant. Là, on va pas reprendre la Nationale 3, on va aller toujours tout droit pour rentrer chez moi. Alors je suis entièrement satisfait de mon, comment on appelle ça déjà, Shimare. Ouais, c'est ça. Shimura, pardon. Je suis entièrement satisfait de mon Shimura. La ventouse pour véhicule, pour caméra, ça tient extrêmement bien. Alors comme j'ai dit, j'ai préféré de filmer ça en 1080 et non en 4K. Bon, déjà en 4K, je mettrai jamais en 4K sur internet, sur YouTube, parce que ça prend du temps. Mais en fait, le truc, c'est que en 4K, ça aurait une meilleure qualité. Mais bon, alors moi. C'est sûr qu'au niveau sécurité, on est mieux, quoi.
En route barrée à 300 mètres. Bien sûr, moi j'habite avant les 300 mètres. Voilà. Parce que les gens ils regardent, ils kiffent. C'est marrant. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir les portes de ma maison et je vais mettre mon trépied en restant allumé la caméra pendant qu'on a terminé la vidéo. On va rentrer le véhicule sans taper la caméra. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la démonstration de la vidéo en latéral aussi. J'ai mis mon Panasonic Le Bridge sur le capot et pour la seconde vidéo, je l'ai mise en latéral sur à l'arrière du droit du véhicule. Comme ça au moins, j'ai préféré tester avec le Panasonic le caméscope classique, comme ça s'il tombe, il tombe, c'est pas grave, lui il coûte moins cher que le Panasonic Bridge que j'en fasse. Du coup, on va éteindre le caméscope devant vous pour conclure le test. Je suis vraiment content de ce produit du Chimera. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai, nickel. Ça a bien fonctionné. On a fait la Nationale 3, vous avez vu, jusqu'à 90 km/h. Le caméscope n'est pas tombé, la ventouse a bien tenu. C'est très bien. Je suis content, je suis satisfait de ce produit. Comme ça, je pourrais aller même sur Paris. Fixer le caméscope en latéral pour faire des vidéos de Paris quoi. Voilà, j'espère que vous avez kiffé mes démonstrations. C'est Gadaillon Alain pour GAV Productions et je vous dis à la prochaine les amis et merci encore et à la plus. Juste, c'est risqué hein. C'est quand même risqué hein.